Didier Planche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ECAM Lyon. Quels sont les points forts de votre école ? Alors, déjà, l'école a été créée en 1900, donc une école qui a une histoire, donc qui effectivement peut s'appuyer sur son passé et ses fondements. Je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre en avant l'international, qui est une vraie richesse pour notre école. Voilà, on a plus de 30% de nos jeunes qui trouvent d'ailleurs un premier emploi à l'étranger depuis 5 ans. On est largement au-dessus de la moyenne nationale. On a aussi l'entrepreneuriat qu'on lance de façon assez forte depuis 3-4 ans. Et donc la qualité aussi de notre recrutement et la qualité de nos élèves. Je pense que ça fait partie des trois points qu'on peut mettre en avant. Comment insufflez-vous l'esprit entrepreneurial de vos étudiants à travers des projets, à travers des enseignements ? Alors effectivement, il y a ce que vous venez de dire, des projets, parce qu'effectivement c'est la construction de projets qui peut permettre une dynamique. Ensuite, on a un peu d'enseignement, bien sûr, et puis un incubateur qu'on a créé pour effectivement aider aussi les jeunes de notre école à créer leur propre entreprise, en tout cas se lancer dans le mode start-up. Vous avez, paraît-il, un nombre inconsidéré de doubles diplômes à l'international, un chiffre presque record dans le monde des écoles d'ingénieurs. Oui, on est très fiers de cette caractéristique de notre école. 50 doubles diplômes avec des parcours variés sur tous les continents et des jeunes qui peuvent ainsi trouver leur voie, soit dans un pays parce que c'est une destination géographique qu'ils recherchent, ou soit dans une thématique donnée. Donc oui, ça c'est un vrai plaisir pour les jeunes. Autre petite performance, on m'a dit que vous affichez une belle moyenne au bac de 15, que vos candidats affichent une belle moyenne au bac de 15. C'est si compliqué que ça, la sélectivité pour entrer dans votre école ? Oui, on est sélectif, bien sûr. On essaye de recruter des jeunes qui ont un niveau scientifique permettant de suivre des études quand même, je dirais, assez difficiles. Donc 15 sur 20, on est très très fiers. Ça fait des années qu'on maintient ce niveau. Et donc ça gage d'une part de l'attractivité de l'école, donc ça c'est bien. Et puis aussi de la qualité à la sortie, parce que quand on a effectivement des jeunes qui entrent avec un certain niveau, c'est quand même un peu plus facile de les amener encore plus haut, donc à la fin de leurs 5 années chez nous. Des grands candidats épanouis et qui, paraît-il, ont un véritable esprit. C'est quoi l'esprit avec ECAM Lyon ? Alors, vous l'avez raison, c'est d'être heureux déjà. Moi, ce que je dis souvent à mes jeunes, si vous venez ici avec la banane, eh ben, c'est très bien. En plus, on va essayer de vous aider. Donc, effectivement, une activité diverse et variée, notamment on parlait des clubs et associations, on peut effectivement mettre en avant le fait que ces activités contribuent à la construction de la personne. Voilà, on souhaite que le jeune soit bien dans sa tête et aussi bien, je dirais, dans sa façon de vivre au quotidien. Donc, ça, c'est un vrai objectif pour nous. Que les jeunes se sentent vraiment bien chez nous. Voilà. Et au cœur de la ville où vous êtes implanté, parce que vous avez quand même une situation privilégiée pour votre campus ? Oui, tout à fait. C'est une caractéristique aussi de notre campus d'être au cœur de la ville. Lyon, deuxième agglomération en France, donc quand même une grande ville, et qui permet effectivement d'ouvrir, je dirais, des perspectives pour les jeunes. Bien sûr, des activités le soir, la journée, de sport, musique, tout ce que l'on veut, et qui permet aussi, une ouverture sur la ville et ses citoyens, ce qui est assez intéressant. Eh bien, il ne reste plus qu'à vivre un esprit pionnier de l'ECAM. Merci Didier Desplanches. Merci bien.